Pour enregistrer une nouvelle vidéo, cliquez sur « Ajouter du contenu » puis « Enregistrer ». Une nouvelle fenêtre s'affiche alors. Sur Google Chrome, trois modes d'enregistrement sont possibles. La webcam, l'enregistrement de votre écran d'ordinateur, ou alors les deux à la fois. Attention, sur Firefox, le troisième mode n'est pas disponible. Lorsque vous enregistrez votre écran, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez enregistrer l'intégralité de votre écran, puis partager, ou alors cibler une fenêtre spécifique, que ce soit une page internet, un PDF ou encore un fichier PowerPoint. Cliquez ensuite sur « Partager ». Important, assurez-vous que le PowerPoint ait été préalablement ouvert sur le bureau. Derrière le PowerPoint, une fenêtre de prévisualisation s'est ouverte. En bas de cette fenêtre, le bouton rouge et le bouton d'enregistrement. En bas à droite, votre micro fonctionne bien si vous voyez une barre de volume s'activer quand vous parlez, comme ici. Si ce n'est pas le cas, vérifiez en haut à droite de la fenêtre que votre micro est bien autorisé par le navigateur. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Enregistrement », un décompte de 5 secondes s'affiche alors. Il est temps de vous lancer dans votre présentation. Lorsque vous avez fini, appuyez de nouveau sur le bouton d'enregistrement. Une fenêtre apparaît, c'est la fenêtre de chargement. En bas à droite, vous pouvez observer la progression du traitement de la vidéo. À noter qu'il est possible d'exécuter d'autres tâches en attendant, comme enregistrer une nouvelle vidéo. La plateforme étant beaucoup sollicitée, certains traitements peuvent prendre du temps. Pour accéder à votre vidéo dans votre chaîne personnelle, cliquez sur votre identifiant en haut à droite, puis sur « Ma chaîne ». Votre nouvelle vidéo est apparue. Pour renommer votre vidéo, cliquez sur « Éditer » et dans la nouvelle fenêtre, sous « Métadonnées principales », changez le titre de votre vidéo. N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications en bas à droite. Revenez sur votre chaîne. Ça y est, votre vidéo est renommée.